Allez, salut à tous les amis, c'est Loan to Play. J'espère que vous allez bien depuis 10 minutes là, puisqu'on se fait une petite session de Civilization 5 avec Yanamu en ce vendredi soir 4. Enfin, non, ce samedi matin, vu qu'il est 1h. 4 octobre, voilà. Bonjour Yanamu. Bonsoir, bonjour à tous, bon ce que vous voulez à tous, en bref, voilà. Donc on est sur la continuation de l'épisode précédent, il est 1h04 du matin, 4 La octobre, continuité. la continuation, oui, la continuation bet, La voilà. continuité. Ouais. La continuité si t'en as envie, hein, puisque Non, nous mais. sommes dans la nuitée, nous sommes des cons, voilà, hein, des conduités, voilà. Bref, c'est pas grave, je suis fatigué. Oh, Ouah, Satsuma. 37 de Learn Est-ce to que je peux faire play. la paix avec les Japonais? Oh, Eh non, il veut pas. Est-ce tu que tu peux m'étonnes. essayer? Bah attends, j'essaierai juste après. Qu'est-ce que je disais déjà? Donc oui, si vous n'avez pas vu l'interlude 9, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu l'interlude 10, n'hésitez pas non plus à le voir sur ma chaîne. Je ne sais pas s'il va exister, mais il y a une grande chance avec Learn to play. Voilà, ça c'est fait. Oh. Ah oui, ça clash direct, hein. Donc c'est à mon C'est tour de calmé faire une là. proposition. Donc je vais vous proposer. Donc qu'est-ce que je propose? D'enlever l'embargo sur Byzance. Hein, voilà, parce que moi Byzance, je l'aime bien, ma foi. Donc j'engage cette proposition. Voyons voir diplomatiquement parlant. Donc Nobuda ou Gudaga, vous n'avez pas envie de vous battre? Non, nos comptes sont loin d'être réglés. Tous les autres sont enthousiastes avec nous. Hein, voilà. Tiens, si t'as un espion disponible, tu peux le foutre sur Evora, qui est la nouvelle capitale de Marée Première, puisqu'elle vient de perdre à nouveau sa capitale, prise par le Japon. Attends, moi j'ai les barbares à gérer là. Ah bah ça, tu vas en avoir de plus en plus. Fais-toi des unités en garnison, mon gars. Waouh. Fais-toi des unités, hein. Attendez, attendez. Ah, il a fui Brochum pendant la capitale, par la capture de Voilà. par l'Allemagne. Ah ouais, en fait, ça a été capturé par les Allemands et non pas De par quelqu'un quoi? d'autre, en fait, l'avant-dernière ville du Portugal. Ah ouais. Ah ouais, Genghis Khan, il est immense, Genghis Khan, car par contre, hein. Pouah. Ta réparation aérienne, c'est tellement puissant. Ouais, on est d'accord. Et pourquoi je gagne de la culture? What? Ah ouais, je gagne de la culture quand je pour les révolutions. D'accord. Vas-y mon chéri, tu contamines, hein. Toi aussi tu répares. Hein. Donc moi j'ai des ouvriers par-ci par-là qui font un peu leur vie. Hein. Donc j'ai surtout lui. Alors, Lui! là on est méga concentré. Ouais, enfin méga Surtout moi là, concentré, parce faut que pas. bon, 37 de malheur là. Comment dire que ça va être chaud à tenir ça, Pas trotage. exagéré non plus, hein. Ça va être très très chaud à tenir. Donc j'ai réaffecté mon espion directement donc sur l'Indonésie, sur Jakarta, un diplomate. Et voilà. Hein, donc nous avons ici la partie française de Civilization 5, toute convertie au yananisme. Ah ouais, sérieux. Ah, la ville sainte de l'islam, elle va se faire foutre, quoi, clairement. Elle est convertie au yananisme. Hein. Là, y a photo. Hein. Évidemment. Évidemment, évidemment. Évidemment. Ouais, j'avais envie. Là, c'est tout, j'avais envie, quoi. Putain, Voilà. je perds moins 400 d'or par tour. Oh, bienvenue au club. Hein. Tu m'as dépassé, dis donc, Learn. Eh ouais, dans le ouais, dans la médiocritude, je t'ai dépassé. J'arrive pas à le croire. Vous l'entendez, les amis? Ça va, J'ai réussi à dépasser Yanamu. tu le prends comment, Learn? Tu veux qu'on en parle? Oui, Attends. vas-y, parlons-en. Eh non, sérieux. Ah, il est sérieux. Il est sérieux.
Il est des nôtres, il a son déficit comme les Putain, bien amu qui chante des chansons interdites, hein, comme vous pouvez le constater. Y en a mu qui fait du. Y en a mu qui est contre la loi. Si t'es un youtubeur, prends donc ton Audacity et surtout ne le ferme pas. Comment ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte, le C'est rien, je Yamu? pète un câble. Je pète un câble! Et là, c'est pas qu'un petit câble qu'il pète, voyez-vous. Là, Bon. c'est pire. Putain, moins 400 d'or, 37 de malheur. Tu vas raser Nagoya maintenant? Nagoya, je pense que tu peux la raser. Ouais, Nagoya, j'en ai rien à branler. Par contre, Matsuyama, il te faut la prendre pour récupérer le pic d'Adam. Et Izumo et Yokohama, il te faut pas les raser parce que sinon tu vas avoir un trou et d'autres civilisations pourraient s'y mettre. Ouais, non, non, t'as Sans raison, t'as compter qu'ils raison. ont des bateaux de pêche plutôt intéressants. Par contre, Nagoya, tu peux la raser, je pense. Ouais, Nagoya, c'est ce que je vais faire. Elle va mettre 12 tours à disparaître, par contre, ça va se faire 12 tours de malheur. Ah ouais. Ouais. Là, on va peut-être se calmer, hein? Négocier la paix, il a pas envie, le fumier. Non, il a vraiment pas envie de négocier la paix. Ah bah là, en même temps, hein, ça se comprend, hein. Ouais, moi je sais pas, il sait qu'il est en train de paumer de ses villes une par une. Tour suivant. Ah, ça y est. Un Bah, tour il d'un sait juste qu'il archéologue. va disparaître, mais bon, moi, 37 de malheur, moins 400 d'or par tour, voilà. Hein. Autant que j'en profite pour prendre un maximum de villes. C'est clair. Quitte à me ruiner, mais bon, après, faire la paix, quoi. Ah oui, tu pourras faire la paix par la suite. Oh, je vais perdre quasiment 500 d'or par tour là. Oh, mais non, me dis pas qu'ils m'ont pété mon bateau de pêche. Oh bah si hein. Oh putain, genre ici quoi. Donc Learn to Play les bateaux de pêche, c'est une grande histoire d'amour. C'est ma passion. Voilà, c'est sa passion, les bateaux de pêche. Ah non, mais le fumier là. Donc chez moi le tour n'est pas passé hein. Ça, j'ai remarqué. Ça prend son temps, tranquillement. Ah ouais, ça aussi, j'ai remarqué. Ici. D'ailleurs, les gens, si jamais vous avez de l'argent à perdre, de l'argent à donner, n'hésitez pas à m'envoyer un don. Le mec! Pour que je change le PC, parce que, voilà, j'ai besoin d'une nouvelle station de montage qui coûte à peu près 1500 euros. Donc si vous avez une Mais fréquente trop, n'importe voilà. quoi. Désormais, j'ai décidé de faire comme Learn to Play, ce vieux sac qui a Mais décidé non, d'en mais. faire raquer sa communauté. Une station de montage à 1500 euros, mais c'est pas utile. Logiquement, ça vaut 15 fois plus. Mais non, qu'est-ce que tu Donc ce racontes? serait un PC hyper performant, bien entendu, avec tout ce qu'il faut pour les jeux à venir, notamment. Hein, je tiens à le préciser. Parce que Ouais. l'air de rien, voilà quoi, ça coûte un petit peu une blinde. Moi, avec mon stage de cet été, je compte me changer mon boîtier et ma carte graphique. Je pense peut-être éventuellement me faire un SLI de 970 ou alors si ça baisse de prix, bien sûr. Oh, je peux créer un artefact Maya, eh. Oh, les Mayas, ça fait tellement longtemps. Ouais. Ou Donc, il y a une. Donc, alors, Ruine je sais pillée, pas. c'est une amulette Maya de l'ère classique. Ah, ouais. Je crée un artefact Maya. Ah, les gens, il n'y a pas photo là. Donc, Maria première a fait la paix avec Bismarck, a fait la paix avec Hanoï, d'accord, a fait la paix avec Gajamada. Enfin, bref, ils ont fait la paix avec tout le monde, quoi. Hop, l'hôtel du bonheur ici. Putain, j'ai des ouvriers qui me servent plus à rien du coup. Donc ici, il me faut encore des commissariats et des hôtels, hein, les gens. Oh, le labo de recherche, ça rapporte un bonheur, on va essayer de le faire. Et voilà, je peux d'ores et déjà passer le tour, hein. Parce que moi, contrairement à l'autre vieux sac, je suis pas en guerre, hein.
Attends, 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 attends. Est-ce qu'éventuellement il voudrait faire la paix? Mais non, il veut pas faire la paix. Nos comptes sont à être réglés. Il n'a aucune envie. Ça aurait pu marcher. Putain, mais meurs! Oh. Mais t'es pas sérieux. Ah, voilà. Ouais, oui, c'est un peu con, Bon. hein. Bon, bah, tour suivant, hein, voilà. Hein. Moi, je dis tour suivant, hein. Tour suivant du bonheur. Hein. Donc, vous l'avez remarqué, les gens, on est très, très, très calme. Il est un petit peu 1h15 du matin, maintenant. Je n'aurai de cesse de le répéter dans la vidéo. Épisode nocturne. Voilà, épisode nocturne. Oh oui. Ça, Ah c'est l'un merde, tout je peux play qui prend son pied. Hein. Vous avez entendu le tac-tac-tac derrière avec le oh. pas. Moi, je Non, dis ça, je dis rien, mais j'ai tout entendu. Hein. c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, tiens. Oh, je peux faire marchand illustre avec la foi. Tiens, pendant ce temps-là, les gens, on va s'amuser à chercher les prochaines ruines antiques que nous allons piller. Donc ici, il n'y en a plus. Je vais me faire un marchand illustre. Ici, il n'y en a plus. Fais-toi plaisir. Avec de la Ici, il y en a une. foi. Donc, Et nous en voilà avons où une ça ici, me... là, entre Nantes et Ça Pézenst. me refaire la messe. Et Pézenst. Allez, une petite escouade XCOM en préparation. Je perds moins 500 d'or. Hein. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas, on dirait. Donc, ici, la dernière. Ah, oh, je pensais qu'ici, il y en aurait une, vous voyez. Là, il y en a une ici qu'on va les piller aussi. Donc il nous en faut deux. Trois. Allez. Trois, Oups, trois, ça trois, c'était un trois, peu trois, stupide. trois. Trois pour l'instant, trois. Ouais, bah, trois c'est bien, hein, déjà. Moi je dis trois c'est bien. Hein. On passe le tour quand tu veux. Hein. Ouais, attends, je me finis juste cette Oh. enquête. T'as pris une bombe, une missile sur Satsuma ou Ah non, même pas. Ah si, t'as pris un missile sur Shimonoseki. Non. Je l'avais déjà. Ah, tu l'avais déjà? Ah. Yep. Eh oui, Maka, il faut regarder. Oh. Ouais. Ah, moi je regarde pas, tu sais. Voilà, je suis comme ça, moi je suis un vieux sac, hein. Ah, t'es pire qu'un vieux sac, là. Ah ouais, et puis vous imaginez même pas à quel point, puisqu'au prochain tour, je vais aller pisser. Oh! Oh, le fumier! Ah ouais, non, là, là, moi je dis ça Comment mérite. t'as sorti ça? Au prochain tour, je vais pisser. D'accord, mais c'est génial! Vu ça un peu? C'est fou, 37 de malheur. Je crois que là, j'ai battu le record. Hein. Au-dessus, c'est le soleil. 30... Le mec, il va avoir une révolution, il va perdre des vies, vous allez voir. Ouais, moi j'ai trois mécontents dans l'Empire. Dans Ouais, toujours. l'Empire. L'Empire. C'est toujours les trois grévistes. Ouais. Ouais, bientôt je vais pouvoir débloquer une doctrine, ça va faire plaisir ça aussi, dans deux tours. Dans un tour maintenant. Enfin, ou dans deux tours, je sais pas encore. C'est pas encore passé chez moi. Putain, mais mes bombardiers furtifs commencent juste à être mes méga pétés de la mort. Catherine complote contre Bismarck. Je vois pas bien ce qu'elle peut faire, Catherine, en fait. Ses villes sont à zéro, elle est bombardée nucléairement, tu sais. Elle Je est vois pas. bombardée nucléairement. Ah ouais, non, je vois pas, C'est sérieux, je vois tellement pas. bien dit. Donc sinon, au niveau de Kuala Lumpur, je suis à 528 sur 60. Ah. Donc je suis un grand ami de Kuala Lumpur. Ah, le grand ami.
Ouais, là on peut dire que je suis un grand ami de Kuala Lumpur. Ouais. Là, les mecs, on peut dire ça. C'est ce qu'ils disent tous. Alors. Hey, ils font chier ici, hein. Allez, le bateau de pêche du plaisir. Ah oui, je sais, mais je m'en fous. Je... Non! Oh, un ouvrier à Paris. Bah tiens, il va fortifier Ça a l'ouvrier. réduit mon déficit. Ah, réclame du crabe. Ah, c'est vrai que j'ai pas de crabe. Ah. Il faut faire des hôtels, les mecs, hein. On n'a pas le choix, là. Il faut faire des hôtels, hein. Bah, toi, Alors. tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire un stade, hein. Ça fait Là, ce sera plus en résistance très assez. bientôt. Je répare. Marchand illustre. J'aime bien parce que bientôt je vais aller convaincre au yananisme Constantinople. Ah non, mais je te jure, hein, c'est incroyable. Hein. La progression du yananisme, moi je vous le dis, les gars, c'est épique. Hein. C'est le bonheur, les gars. Ah ouais, c'est le bonheur. Ouais. Là, complètement. Et plus cette religion va être puissante, plus ça va pouvoir s'étendre en fait. Parce qu'après, le Putain, les grand. lance-roquettes, c'est tellement pété contre les villes. Le deuxième grand défi, entre guillemets, ça va être de convaincre l'un tout plus au yananisme, quand même. Moi, je le dis, il va en falloir de la foi. J'ai intérêt d'en faire du temple. Hein. Alors là, par contre, j'ai intérêt d'en faire du temple. Hein. Purée. Regardez-moi ce vieux Bon, sac. t'en as encore pour longtemps, l'heure, ou pas? Non. Non, bon, bah, tour suivant, alors. Hein. Attends. D'abord, bombarde Nagoya avant d'essayer de la prendre. Non, mais vu qu'on va la détruire. Ça fait pexer tes bombardiers. Ouais, c'est ce que je fais. Tes bombardiers, tu devrais les mettre sur Lisbonne, ça te ferait moins loin. Ouais, je vais voir. Attends. Ah, c'est vrai, ça fait que c'est bien. Allez, hop, voilà. Hein? Le reste. T'as plus qu'à la prendre pour la détruire maintenant. Allez. On va voir jusqu'à combien de malheurs je descends. Tu téléportes une escouade XCOM ou tu envoies le bazooka et terminé quoi. Ah oui, non, mais complètement. Hein. Je suis étonné qu'il n'ait pas de missile nucléaire, le japonais. Alors, toi. Donc on peut voir également l'écrasante majorité de l'un tout play au score. Il est à 3762, je suis à 3100 parce que j'ai pas envie. Ah ouais, je t'ai dépassé effectivement. Bah en même temps, c'est avec toutes les villes que j'ai capturées que bon, C'est voilà. clair, c'est clair, c'est clair. Parce que là, on va dire que ça m'a un petit peu augmenté mon. Est-ce qu'il va bien vouloir m'afficher le menu des démographies, les gens? Non, bah en cours de Enfin, chargement. de la démographie, non. Ouais, effectivement, il m'a dit non. Bon, Il en tout t'a cas, vous dit, voyez que va ça te va aller faire vite, hein. foutre. 358 millions. Bon. Il y a des choses comme ça qui sont incompréhensibles. Ah ouais. Du coup, là, le japonais, il est en train de s'enfoncer complètement, quoi. Il a 1500, il a plus qu'à 1500 points. Vous perdez de l'argent. Merci, je suis au courant. Ah ouais, moi aussi je perds de l'argent, mais avec ce marchand illustre de bonheur, l'argent va de nouveau couler à flot sur Oui, la mer. adoption de doctrine possible. Déjà? Putain. Ah oui, ça va vite chez moi. Je produis 550 de culture. Ouais, mais même. Le tour n'est pas passé encore. Hein. Eh, j'ai remarqué. Ah ben si les gens veulent que ça aille plus vite, hein, voilà, j'accepte les chèques, les cartes bancaires, les American Express. Les... Allez, on va aller adopter cette doctrine de suite.
Bon, t'as passé le tour là? Oui, j'ai passé le tour. Le tour est passé de chez passé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Eh ben c'est parfait. Alors. Franchement, il n'y a rien ici qui m'intéresse. Alors, ça s'est passé comment? On va adopter la tradition, les gens, uniquement pour ça, là. Ça va peut-être. Raser la ville. Ça va peut-être réduire à. 45 de malheur, hein? Ouais, nous allons adopter la tradition pour essayer d'aller sur l'oligarchie. Oh, je te fais du Le 45 coût de malheur. d'entretien des garnisons est nul. Je vais faire pareil pour Satsuma. Après, chaque tranche de citoyen dans une ville, j'en ai un paquet de citoyens, donc. Alors, il est où cet ouvrier du bonheur? Il est là. 45 de malheur, hein, Jackie. GG. Merci, merci. Moi, dans ce cas-là, je te congratule, hein. Ça fait longtemps que je m'entraîne. Carrément, on voit ça, on voit ça. Hop, le yananisme, plus 1000. Voilà, 12 adeptes au yananisme. Ça va me faire baisser mon malheur, heureusement. Ça, j'espère. Ça laisse tomber. Matsuyama. Ouais, Izumi. Oh, le pic d'Adam, il est une merveille naturelle, le salaud. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, oui. Oh, il me la faut. Il me la faut, la coquine. Ah oui, il te la faut. C'est pour ça que les villes en bas, tu peux pas les raser. Juste une question là pour ça. Donc. Hôtel requis, encore 4. Brest, puis celle-ci, Saint-Tropez, La Réunion. D'accord. Oh tiens, Albi a fini tous les bâtiments possibles imaginables. Bah écoutez, il est temps de se réarmer, hein. On va envoyer quelques méca-colosses vers là-bas. Ainsi qu'un missile nucléaire, je pense. Ou pas. Non, on va arrêter les missiles nucléaires. J'en ai marre. Ah, là, j'ai battu tous les records, là. Mais je suis satisfait. Voilà, je peux passer le tour. T'es loin de passer ton tour ou Ouais, pas? non, c'est bon. Ah, ok. Ah, j'ai cliqué même avant toi, vieux schlag. Carrément. Nagoya, tu la rases alors, hein? Ouais, bah, c'est bon, on est en cours de destruction. Destruction massive de Voilà, Nagoya. tout à fait. On va voir ce que ça va donner. Carrément. Ah, ouh, j'ai zéro, j'ai plus de thunes. Ah, nous ne fournissons plus de chevaux à Bismarck. D'accord, attends, là, on va voir. Ah, route commerciale pillée. Ah, yes. J'aime bien cette amélioration logistique. Une attaque supplémentaire par tour pour les bombardiers, c'est over Ouais, c'est OP. overcheaté. Enfin. Mais prends le temps de déplacer tes bombardiers sur Lisbonne, hein. Ça changera rien. Faut que je les déplace sur Shimonoseki si. Ou sur Luanda ou Leira, quoi. Un truc un peu excentré. Sur Luanda, Un par peu exemple. pimp, ouais. Route commerciale est pillée. Et Catherine complote contre Mosek Mouta. Mosek Mouta. Mosek Moutarde! Il est pas mort, Mosek Mouta? Non, pas du tout, non. Putain, en fait, ça Ah, aurait c'est été bien juste. si les ennemis se s'annihilent entre eux, quoi. Bah, Ça carrément, nous mais bon, aurait aidé, c'est quoi. pas le cas, malheureusement. Ils sont un peu cons sur les bords.
Constantinople est convertie au yananisme, les gens. Ah oui, Bismarck qui me filait de l'aluminium, haha, mais j'en ai plus besoin. Il y a quoi ici? Il y a des ruines, quoi, les mecs. Oh. Allez, crée un comptoir commercial. Et toi aussi, une ferme après, mais attends, d'avoir plus de prod ici. Donc on va faire ça. Ici, on va réparer l'aménagement. Ah ouais, petit à petit, on partage la conspiration avec nos Ekunta. Les Aztèques. Ensuite, moi j'aurais bien signé avec Théodora une... Alors, c'est parti. Ouh, j'ai failli faire une connerie là. Ok, au revoir alors. Bon, bah tour suivant. Ah, tu vas bientôt capturer Matsuyama. Bah, qu'est-ce que j'en fais? Je la capture ou... Bah, soit tu captures Matsuyama, soit tu captures Izumi. Mais je pense que t'es obligé de garder les deux. Parce que du coup, vu que Nagoya va disparaître, ça va créer un gouffre. Ouais, t'as donc raison. T'es obligé de garder Matsuyama, Izumi, Izumo, Yokohama. Ces quatre-là, t'es obligé de les garder. Ouais, je vais être obligé de les garder, effectivement. Après, n'oublie pas de penser à développer ton réseau de route. Ouais, Hein, pour que tout soit relié. Là, on va se calmer, hein, 2 secondes. Bah, disons que ça rapporte du bonheur de tout relier, donc c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, t'as raison. Putain, je fais pexer mes... Tes bombardiers? Ouais, mes bombardiers, là. Ah, oh, c'est mortel. Attends, je suis con, moi je vais apexer les miens aussi. L'arme de prédilection du land to play, le bombardier. Je vais réaffecter tous mes bombardiers sur Valras plage. Valras plage. Chaque fois qu'il prononce ce mot et je le dis tout le temps, ça me fait rire. Comme ça, moi aussi, je peux aller bombarder les Japs. Ouah, ils commencent à m'attaquer ici, là. Putain, qu'est-ce qu'ils veulent? Cassez-vous, là. Tour suivant. Attends, je réaffecte les bombardiers sur Valras. On a bien avancé, hein, pendant cette session. Carrément. Ah, le nombre de villes que j'ai capturées, là. Ah, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et ça va aller aussi vite, maintenant. Hein. C'est ça qui est bon. On va faire des interludes pour aller plus vite. Et voilà. Ouais, on peut faire ça, ouais. Et toi en bas là, faut que tu... Hein? Moi d'abord j'essaie de me reconstruire un petit peu, hein, tu m'excuses, mais... J'ai un peu de mal. Ah, les villes côtières, en fait, t'es obligé de les conserver parce que du poisson et tout à exploiter. Notamment avec Yokohama et Fukushima, tu vas avoir du crabe. Enfin, des perles. Ouais. Oh putain, ils m'ont encore pété un bateau de pêche. Toujours le même. Bah oui, hein. Ils changent pas une équipe qui gagne. Hein. Ah ouais. Mon tour commence. Route commerciale pillée. Il faut ni plus de truffes, l'enculé. Oh, le prophète illustre de l'amour. Ah, il n'aura plus la main mise sur cette partie-là de la terre. Le japonais, ça me fait plaisir. Ça m'étonne. Peut-être qu'après Matsuyama, il acceptera de faire la paix. Oh, je sais pas. Ou alors je continue sur Izumo et Yokohama, tant qu'à faire. Et ah. Izumi. Oh, il y a une bombe atomique à Izumi.
De toute façon, il peut faire ce qu'il veut. J'aurais plus rien à foutre. Alors, maintenant que je peux bombarder ici. Bon, le tour est passé là? Ah Ouais, le ouais. tour est passé, ouais. Aïe! Oula. Ça Ouais, je me dis, genre, rebrûlait. il est temps de s'amuser, hein, un petit peu, hein. Nous aussi, on veut que nous bombardions Apex, après tout. Bon, Matsuyama, je la garde, j'en fais quoi? T'es obligé de la garder, je t'ai dit. 53 de malheur. Oh. T'attaques quelle ville maintenant? Izumo, je vais me déplacer vers Izumo. Ah, je peux pas les attaquer parce qu'ils sont trop loin en fait, c'est dommage. Et ici j'ai pas de visibilité. Donc bah toi tu te fortifies mon pote. On peut rien faire. Toi tu vas faire... t'as un truc à faire J'ai toi. fini de faire une fouille. La fouille, qu'est-ce que je fais? Créer manuscrit japonais, manuscrit ancien de la mer morte, écrit par Japon Antiquité. Lancer la renaissance culturelle. Donc puis celle-ci Saint-Tropez la Réunion. Oh, plus 2800 de culture. Puis celle-ci il est en train, Saint-Tropez il est en train et la Réunion il est en train. Boum, 2800 de culture d'un coup, ça ne se refuse pas. Je suis Dans 9 désolé. tours, je produis l'université d'Oxford, s'il vous plaît. Hein. D'Oxford, ici. Oxford. Ah, Ramsay qui va produire enfin de la richesse. Ah, finalement, on avance bien, les gens. Moi, hein. Bon, je trouve qu'on avance super bien. Hein. Ouais. Allez, dernier tour avant la fin, pour ma part. Ouais. Ouais. Non, merde, je voulais. Ah, oh, fuck. Quoi? Putain, ça m'énerve le truc automatique là. Au pire, Izumi, tu balances un missile nucléaire, elle n'existe plus. Hein. Ouais, mais non, je veux la merveille. Ah oui, tu balances un missile nucléaire sur Izumi, elle n'existe plus, Izumi. Et tu récupères la merveille avec le truc de Matsuyama. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Ouais. Je vais peut-être attendre avant de faire ça. Hein. Bon, Ouais, bah tu en peux fait, toujours. voilà, c'est terminé. Hein. Non, non, encore, il faut passer le tour maintenant. Ah, il faut passer le tour. Oh là là, je suis au fond du gouffre là. Hein. Mais non, t'inquiète. J'ai connu Bah, pire. enfin, technique. Ouais, c'est vrai, toi, t'as tout connu. Ouais, là, sur ce coup-là, sur cette partie-là, j'ai tout connu, je crois. Faut dire ce qui est, ça a été une de mes pires parties de Civilization 5, hein. Ah là là. Et c'est mon coéquipier, hein. Ah ouais, Ouais, vous ne rêvez pas. ouais carrément, hein. Sinon ce serait pas drôle, hein. Oh, il y a le lac Victoria ici, en fait, j'avais pas vu. 6 de bouffe. Putain, mais il veut pas mourir, le salaud. Le bazooka de l'amour. Voilà, il a toujours sa bombe atomique ici. Ouais, il va te l'envoyer dans la gueule, à mon avis. Oh, je m'en branle. Oh, pardon, excusez-moi, c'était très, 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 Très très pas classe, beau. très classe. Moi je dis c'est classe. Hein. Allez, Mecha Colosse de la mort ici. Il me tarde que leur troupe avance encore un petit peu sur le territoire japonais en fait pour que je puisse bombarder Yokohama. Mission commerciale, ça me fait un peu d'argent, c'est cool. Et je peux passer le tour. En tout cas, les amis, c'est la fin de cet épisode. Bon, on espère qu'il vous a plu, hein. Voilà. N'est-ce pas, Yanamu? Un Plein de j'aime, plein de commentaires. épisode très très calme encore une fois, comme je vous dis, il Ah est ouais, très tard. calme là, on est épisode nocturne. Voilà, épisode Ou nocturne. matinal. Oui, ou matinal, ou nuitinal aussi. C'est bien nuitinal. Suite.
Donc, merci à tous d'avoir Ah ouais, ça suivi. y est, il m'a envoyé sa bombe sur Shimonoseki. Ouais, c'était sûr. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, les gens. N'hésitez pas à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Donc, pensez vraiment aux commentaires parce que ça nous aide, nous, entre guillemets, à voir ce qui va et ce qui ne va pas. N'hésitez pas, hein, tous vos commentaires, personnellement, je lis tous vos commentaires. Même le Antouplay, je pense qu'il est encore en état de lire tous vos commentaires. Ah bah oui, largement, oui. Voilà. Donc, ben, merci à tous, portez-vous bien et à très bientôt pour de prochains épisodes, les gens. Voilà, allez, salut à tous, portez-vous bien, ciao, ciao! Avant de couper les gens, moi je vais juste regarder ce qui se passe. Hein. Juste par curiosité. Mais moi je sauvegarde et je quitte. Hein. Parce que là je suis claqué, de chez claqué, ça fait depuis... Je sais pas quelle heure je suis levé ce matin, c'est... Je me suis cramé les doigts, j'ai fait le service et tout, là j'en peux plus. Tu m'étonnes que t'en peux plus. -52 de malheur. Allez, oh, retour au bureau. Tiens, il y a un général illustre portugais qui traîne par là. Allez. Je vais juste faire ça vite fait là. Pour accéder à ça, voilà. Voilà, mon influence augmente. Ah, c'est un petit... Voilà, c'est un petit spoil, les gens, que je vous offre aujourd'hui. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao, les gens. Ciao, ciao.